Bon Vino, parle-nous des Pyrénées. C'est dur là. C'est dur, j'ai essayé à Tourmalet, c'est vraiment dur. J'étais en dur aussi 2003 là, mais bon, là, aujourd'hui, c'est une nouvelle survivre, deux étapes, rentrer dans les délais et arriver au dernier cours. Le but là, c'est de mettre Marc dans le groupe Eto pour qu'il rentre dans les délais. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, les buts pour les sprinters, ça sera dur parce que les Pyrénées, mais en espérant, oui, on espère parce que les Pyrénées, même si c'est limite, avec les délais, mais on va essayer de faire mieux. Bon, Pogacar ou Vingegaard? Ouais, je l'ai dit, s'il change un peu de tactique, Pogacar. De tactique, c'est-à-dire? En tactique de... De stratégie, je veux dire, dans l'équipe. Tout le monde pense voir Vingegaard monter en puissance et Pogacar baisser un peu de rythme à cause du Giro. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui, bon, si je regarde. Oui, il a perdu les batailles, c'est pas la guerre. À mon avis, c'est un coureur qui court offensif toujours. Là, il faut un peu aujourd'hui changer de tactique pour le défensif. Et à mon avis, c'est Jonas qui veut grimper. Qui veut gagner du temps, alors c'est à lui la décision. Moi je pense qu'il faut du cours un peu défensif et il peut gagner. Un mot sur Remco, impossible qu'il puisse suivre le rythme selon toi? Oui, c'est toujours possible, le cours c'est fini à Nice, hein. C'est encore deux étapes pérennées et après on va faire les comptes. Oui, ici pour apprendre, à mon avis, les deux là ils sont à haut niveau, mais il fait déjà bien jusqu'à là. À mon avis, il peut gagner son étape encore les montagnes. Surtout maillot blanc, et s'il reste sur le podium, c'est déjà magnifique, je pense, pour lui. Mais en futur, oui, c'est impressionnant. Gagner un jour, peut-être. Merci, Guido. Allez. Et tu vas,